Une page de pub, allez. Ah tiens, il y a l'église. Là, on a une maison. Des volets, des volets, des volets. Au-dessus, c'est habité. Et là, tadam, une fenêtre sans volet. Hop, tout le chaud. Bon, le chaud, il monte. Hein. Au milieu, on dirait que c'est pas habité. Mais là, voilà, il suffit de rajouter un volet ici. Et déjà, on fait des sacrées économies. Ici, pareil. C'est le secours catholique. Des volets, des volets, des volets, des volets. Et au milieu, hop, c'est un peu vitrage en plus. Et puis en haut, hop, 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 ça refroidit tout. Donc du coup, personne n'habite dans cette maison. Tu vas plus te couler, hein ? Ah oui, j'ai fait le tour, ouais, ouais, moi je cours. Donc là, pareil, ici, pareil. Ah si, ah bah voilà, ils ont mis des plans. Bon, il y a un petit jour. Mais il y a un jour, ah bah c'est parce qu'il n'y a carrément pas de fenêtre en fait. Donc là, il n'y a carrément pas de fenêtre, il y a des planches à la place. Avec un sacré jour. Par contre, voilà, ils mettent du double vitrage. Bon, sinon, ça va. Ici, il y a des volets de partout. Après, c'est vrai que les façades sont pas très belles. Donc, c'est vrai qu'une petite enveloppe extérieure, ça aide aussi. Mais bon, dans les PO, ici, il fait pas très froid. Donc là, pareil, regardez cette maison. Il y a des volets de partout. Super, nickel. Et le froid, il rentre par où? Oh, ben, en plus, elle est pétée. Il rentre par là. Enfin, c'est plutôt le chaud qui s'en va. Voilà. Tiens, c'est le couloir. C'est la porte d'entrée. Donc, moi, chez moi, j'ai mis une couverture justement sur la porte d'entrée. Quand j'ai compris, au bout d'un an, j'ai compris. Là, pareil, hein, classique. Hein. Il y a des volets. Bon, personne habite dedans, certainement, parce que ça doit être inconfortable. Ah, on voit bien, c'est pas entretenu. Et en bas, ils ont enlevé les volets. Hein. Ils ont mis du plastique, donc du PVC, des fenêtres double vitrage PVC, mais on enlève les volets. Là, ici, pareil, hein, il y a une vitre, hein, donc ça refroidit ici. Hein. Donc là aussi, donc, du coup, bah, toute l'entrée, elle est froide, ça refroidit. Et toute la maison, elle n'arrive pas à se... Voilà, elle n'est pas étanche. Bon, après, il faut voir le... En plus, en haut, là, ça va être une terrasse. Donc voilà, hein, déjà bien voir le problème de l'isolation. Et puis partant de là, pareil, cette maison, bah là, il y a un trou en haut. Donc celle-là, ça fait longtemps qu'elle n'est pas ouverte. Ça fait au moins 5 ans parce que je l'ai squatté 2-3 nuits en 2015. Hein. Ça fait depuis 2015 qu'elle est comme ça. Hein. Même avant, même. Donc là, bah voilà, il y a des volets de partout, sauf là où... Donc du coup, bah... Il y a au moins un minimum 20%, 30%, plus sans parler du confort thermique. Ça, pareil, hein, c'est pas, ça fait des années, hein, je pense que c'est comme ça. Donc voilà, hein, si je me fais expulser, j'ai l'embarras du choix. Hein, j'en ai repéré vraiment beaucoup, beaucoup de maisons vides. Et de plus, j'ai appris que en fait, c'était pas un délit hein, d'occuper un logement vacant. Hein. Pas le logement chez quelqu'un, mais un logement vacant. Voilà. Donc là, pareil, regardez, il y a des volets partout. Et puis en bas, au garage, on laisse des vitres sans volets. Donc ça refroidit tout là. Ici, pareil, là, il y a des volets partout. Et là, hop. Donc c'est pas une question de milliards d'euros, quoi, voilà, ou de grosses subventions, ou de lois autoritaire qui interdit les chaudières à fioul, des choses comme ça, c'est vraiment du bon sens qu'il faut retrouver. Quoi. Là, les volets partout, mais pas la porte. Alors c'est sûr, c'est plus joli, puis bon, quand l'été, pour faire entrer la lumière. Comme en plus, c'est dans une ruelle. Mais après, il suffit d'inventer des systèmes hein, qui se ferment le soir. Hein, ouais, celle-là, elle est vide. Donc voilà, je vais remplir mes bouteilles d'eau et je vais rejoindre Cédric au Forail. Peut-être je vais faire un petit enregistrement ou je vais mettre en pause, on va le voir tout à l'heure après. Je mets en pause. Donc là on reprend, j'ai fait le plein d'eau. Je sais pas ce que c'est que ce bâtiment, mais là, voilà, on a du double vitrage avec... ça a l'air d'être de l'aluminium. C'est double vitrage aluminium. Là, il n'y a pas assis, il y a une ouverture là-haut, donc pas de volet. Là, c'est carrément une grille, hein. Il n'y a même pas de fenêtre. Donc là, c'est vraiment... c'est les bénédictins. C'est les religieux.
Ce qu'il y a, c'est que voilà, les religieux, l'État ou les multinationales, quand on regarde leurs bâtiments, très souvent, on voit qu'ils n'ont pas compris la thermique. Hein. Donc c'est pour ça que c'est pas de venant d'eux que la révolution elle, va se faire. Quoi. L'évolution en tout cas va se faire. Tiens les fenêtres au-dessus là-bas. Bon bah là on voit bien chez eux, ils ont des volets partout, puis là ils ont une fenêtre sans volet. Ça fera du coup le bâtiment, toute l'aile du bâtiment. Là, voilà. Alors que la chaleur elle arrive au niveau de la fenêtre et puis boum. Hop, ça fait baisser la température et le confort, ça fait circuler l'air, ça fait des courants d'air, ça gaspille. Ah bah tiens, c'est magnifique. Là on a des volets partout, super. Même le garage, bien, alors là on dit bien. Et puis là non. Bon, ici non, pas de volets. Et puis en bas, au milieu non plus. Donc des volets partout, sauf là et là. Bon. Bah là, c'est 20% de la facture au moins qui part. Là-haut, pareil, hein. Les petites fenêtres là-haut. En plus, alors là, ça monte, le chaud il monte, et puis hop. Quand c'est en haut, c'est encore pire. Hop, il est refroidi. Là, pareil, les volets partout, super, et puis la porte d'entrée, bon, tout refroidi par l'entrée. C'est difficile d'en trouver une qui est vraiment. Bah là, pareil. Hein. Voilà, il y en a une petite là. On habite ici l'hiver parce que pour chauffer ça coûte trop cher. Après il faut comprendre aussi le phénomène d'inertie, donc ça demande toute une explication pour chauffer une maison en fait pour l'hiver et du coup voilà. Par contre on nous vend des petits trucs comme ça quoi, c'est stupide, enfin, y a quelque chose d'absurde quoi. On nous vend ça au supermarché alors on envoie des satellites dans l'espace avec des technologies de fou et on sait même pas, on comprend même pas la thermique, on sait même pas mettre des volets là où il faut. Regardez celui-là, il est photovoltaïque ce volet. Donc là, high tech. Ouais, d'accord, sauf qu'à côté il n'y en a pas. En bas non plus. Donc c'est Cédric qui doit m'attendre au forêt. Donc sur la porte, pareil. Voilà, il y a une ouverture. Donc là, c'est vraiment la maison, ils viennent de la refaire en plus et ils ont mis une clim. Voilà. Donc on va mettre un truc tout neuf d'Aikin là, et puis en même temps, ben voilà, ça part tout par la façade. Et là, de l'autre côté, bah ben, pareil, des volets de partout, sauf en haut. Volets. Et puis alors, photovoltaïque, hein, les volets, s'il vous plaît. Hein. Mais en haut, non. Pas de volets en haut. Non, il n'y a pas droit, lui. Alors le chaud, il monte, il arrive en haut. Là, pareil. Hein, c'est pas les exemples qui manquent. Hein. Là vous chauffez votre maison, mais ici, c'est comme si vous mettiez l'inverse d'un radiateur quoi, là-haut. Hein. Il n'y a même pas de fenêtre des fois dans les combles. Donc, mais c'est pas simplement pour l'hiver, hein. C'est aussi en mars, avril, le printemps, l'automne, c'est quand même 6 mois dans l'année au moins. Si, ouais, après ici il fait bon sinon le reste du temps. Hein. Mais ça sert aussi pour éviter la surchauffe, hein. Ça sert de climatiseur aussi un volet. Hein. C'est quand même plus canadien, plus provençal. Hein. La maison de l'eau. C'est le petit parc artificiel là, ouais. Ils ont fait un espèce de petit canal. Donc là. Bah, la maison de l'eau, hein, c'est pareil, hein, les volets, ils ont mis des grilles, mais pas de volets. Donc voilà, donc cette absurdité hein, qu'on retrouve. Voilà, j'aimerais bien savoir ce qu'en pense Charles Renouvier, quoi, ce qu'il en penserait lui aujourd'hui. De ça. De tout le reste. Quoi. On va faire une pause, on va essayer de choper Cédric, là, voir où il est.